26 avril 2023, vous nous suivez partout à travers le monde. Bonjour et bienvenue à Manaka, à Binoya, à Congo, à Landimiso, de partout. Merci na confiance renouvelée. Plus d'une heure, à Kolobelaka, Maï Matali, République démocratique du Congo, 1h15 de Patriote, 1h15 Nabaï, Oyo Balinga, École au Congo, et Kende Liboso, et 1h15 pour Na Congo, Nabasango. Le mot glissement n'est pas à l'ordre du jour à la CENI, affirmation du premier vice-président de cette institution, Didi Manara, au lancement de journée porte ouverte à la CENI. Il invite le parti politique à se préparer. Il n'y aura pas glissement. Il y a bel et bien élection le 20 décembre prochain. Et décès de l'élève Tamba Malaba Glody, 11 ans, élève finaliste de l'école primaire au lycée Mwanga, fracturé sur la crâne lors du saut effectué pour tenter de sauver sa vie à l'incendie qui a eu lieu avant-hier dans cet établissement scolaire. Et autre chose, le FRDC ont récupéré mardi 25 avril dernier environ 10 villages et quelques quartiers de la commune de Mwangoulou qui étaient sous contrôle de la milice du Codeco dans le territoire de Djougou en Ituri. Et aussi, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kenge a ouvert ce mardi 25 avril au fleuve Congo Hôtel le séminaire de renforcement des capacités de membres du gouvernement. Voilà. Mokonalelo, to okolobela, to rozongela, maï malobama ki lobi, na seni, na ou etali opération et enrôlement. Nyon sou et salemi, ba pesibiso, ba chiffre, il faut que l'oba que plus de 80% y a population congolaise basa déjà enrôlé baso bon pour ma ponomi toujours les can étape mosusu po na kokende na ma ponomi pendant ces temps ba y opposition bango balobi faut ko restructurer seni ko restructurer cour constitutionnel. Est-ce que c'est possible? Comment est-ce que bino ba y kongoman bozo jugé processus électoral à quelques mois des élections? C'est déjà le 20 décembre prochain et aussi la sortie officielle de l'union sacrée. Est-ce que famille politique à chef de l'état bango balobi basa du bon côté de l'histoire baza na esengope baza balenge kolenga baza pre pona kokende bongo na maponomi ya le 20 décembre. Est-ce que opposition pe ezali prête ya kokenda maponomi tokozongela ngo moko na lelo évolution ya processus électoral en cours et lisusu bobimi ya union sacrée to kolobela pe hausse de prix de denrées alimentaires na ba province cause pe remède sur le plateau to yambeli bino moi lamboka Stéphanie Koutoumier aza moi lamboka yalisanga ensemble pour la République moko yaba communicatrice pe moko yaba au cadre moi lamboka ko déjà ko rejoindre biso mbote pe boyebola mbote maman Naomi, merci pour l'invitation. J'espère avoir bien prononcé votre nom. Madame Stéphanie Kitoumé. Ah, Kitoumé, voilà. Merci beaucoup, mon ambo Kaboye Bolamou et Zambali Bosso. Malali Bosso, merci pour l'invitation. Merci beaucoup, Tozali. Nandeko, bienvenue, Kaboula, Zali, et Asbel, Mola Mapinga, Télémoko, déjà qu'on rejoindre Bisso, mon ambo Mbote, Peboye Bolamou. Merci beaucoup, madame. Merci pour l'invitation. Merci, Nandeko, nous sommes tous partagés là émission. Merci. Très bien. Merci beaucoup. To Zali Bongo Landeko Braille Mouya Kalala Zali Bongo ya Ceder ya Lissama politique cher ya ministre. Bonjour. Ya ministre Jean-Lucien Boussa. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame Normi pour l'invitation. Bonjour naba Congolais Nyonso ba Rolanda débat pédagogique. Merci. Très bien. Tous à l'endroit où Javier ou à Salvisso surprise, moi, l'amboka Ngomba Adé de Congo, qui déjà peut rejoindre Bisso. Bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour les amis. Bonjour, Bagnon, Sobazo, Andabisso, Nangonga Oyo.
Tozali ensemble et toyeka rapoto le belambo kanabiso richesse moko oyo nzambe pe bakoko batike la biso. Très bien, merci beaucoup. Processus électoral en cours. Déjà plus de 85% d'enrôlés maponomieza ko belema pona ko kende ko pona bayi oyo bako kambamboka na 5 ans o ezali koya mais bandeko ya opposition bango ba bito bimala balabala pona re constitution topé restriction ya ba CENI pe cour constitutionnel. Est-ce que ça contradictoire na o ezo salima déjà na CENI de ko janvier fongo la hostilité na yo comment est-ce que bino bako ko senga eloko a bongo siko bozangi ni kambaro senga to bozo ki mane election mama Naomi na ba kongole nyoso yo bazolanda biso ba comprendre eloko moko ete mboka oyo si réellement to lingi yango esengi to zala sérieux na nyoso to zo sala to zala sérieux na o etali mboka gouvernement soit régime oyo eza en place lelo. Ce qui baza bat oyo bazo kanisa ba kanisa kaka telelo po bakomi liboso à table baza na ko baza ko servir bango na ndenge esengeli pe baza ko se servir na ndenge esengeli ba kanisa lobby tozala ki ensemble na bango. Qu'est-ce qu'on a pas dit à Kabila? Qu'est-ce qu'on a pas dit ya régime passé concernant ba forcing concernant non attention na bandeko oyo bazali na opposition? Aujourd'hui, toutes ces histoires qui se passent, tu crois que mon ayangote na régime ya mwana limité? Tu crois que mon ango est pas na yete? Tu crois que mon ango est pas sécurité? Expliquez madame madame makanisi na yo, likamwe obino ko ya clair. Ba o bazolanda biso na ngwa o na ebe ete bazam mikolo bazo comprendre qu'est-ce que je veux dire par là. Forcing o mais c'est sécurité azo ke nango, ça ne passera pas. Et ko tikala ka ko lekata mokolo mokote. Vous savez quand ça ne marchait pas ici, on a dit bah opposant bah yaba sangana bah sur la négine botiki mon amboka yemoko est-ce que c'est tout comme ça. Le président Eli Martin Fayulu était en tournée franco-américaine. Il est rentré ici uniquement pour vendre bah la makamwana. Vous avez vu tous comment il était accueilli à froid. Hmm? Et après ce temps-là, on a vu Olengankoy. Il est allé au Faden voir le président Eli, soi-disant il était mandaté par M. Tshisekedi. Et où en sommes-nous par après? Le président Fayulu avait donné son avis. Si c'est pour parler Congo, moi je suis d'accord. Que ce soit partout, je veux me présenter pour qu'on parle Congo. Bafanda, bazo mona maramounon sou clair, a basculé majorité en cours y a mandat de force. A tche bato a cour constitutionnel, na lolenge na ye, na volonté na ye, bato ya province ou ya ye. A tche bato a seni, bato ya province ou ya ye, ba domine bazana kati. Lui pense que nous allons nous laisser faire. On ne va pas se laisser faire. S'il pense qu'avoir Kamere, avoir Bemba, na katia gouvernement, na ye, ne a memi ba réforme, Azo s'est trompé parce que Batouana Bazala qui naye déjà ensemble. Azo s'est trompé. Nous, qu'est-ce qui nous préoccupe aujourd'hui? C'est le Congo. Si nous sommes dans cette situation aujourd'hui, parce qu'il y a Azoara Maponomité. Ceux qui sont dans la situation, au passé, Kabila a organisé. Nous sommes en 2023, il faudrait qu'on soit là, nous devons toujours dire, c'est ça. Est-ce que l'on s'est préparé pour la maponomie à 2023? Nous nous sommes préparés. On est prêts pour les élections. Mais, il faut que tous à la bise, nous sommes dans le même point de départ. On ne peut pas accepter que l'élection, mon gros, déjà, Kadima, a gonflé les chiffres à niveau à Kassai. Qui ne le sait pas aujourd'hui? On ne peut pas aller aux élections où on sait bien que tous les membres de l'Union sacrée ont des cartes d'électeurs chez eux à la maison. On ne peut pas aller aux élections où on te dit que va préparer déjà cours constitutionnels là-bas, on va valider le résultat final à M. Tshilombo. Vous comprenez ça? Est-ce que nous aimons réellement les pays? Attente, c'est bien les années. Attente, Nabiso, toi, demande Nabiso et Zamoko. Tu vends dans la maison, dans la force, vive Nyonso, tu revois Seni, tu tiens dans le bateau et Nabiso, pas de débauchés. Qu'on a pris soi-disant quelqu'un de l'ensemble ou de l'Union de FCC ou de la Mouka. On met nos bateaux à Bissot, Bazaba, Lisso et Bissot. Donc, Bolingi, en termes clairs, Bolingi dialogue. Pas dialogue. Tout ça n'a pas ça dialogue. Lissolo, non, 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 madame. Problème la Bissot, c'est ça. Tu trouves consensus autour de Seni. Ce qui est au Kolo et au Kolo. Ce qui te revend dans la messe, ça te revend. Mais pas dialogue pour aller entrer dans des institutions. Il faut que ça n'y en soit parce que les gens attendent toujours que ceux qui opposent le bito qui nous sont là pour que bah quand on a une institution, bah ça la paix santé financière, bah qu'on a une élection. Ça nous sommes contre.
Avec le président Eli Martin Fayoul et les autres membres qui l'entourent, nous sommes contre ça. Nous voulons à ce qu'il y ait consensus autour de CENI, il y a loi électorale, tout revoir cours constitutionnel, on va aux élections parce qu'on sait bien qu'avec, si on peut bouger tout cela, M. Tshilombo sera KO avant 10h comme Chadar était battu. Très bien. Ndeko, merci Mingi Ndeko, Javier Mboma. Réfléchir ensemble sur cette question et processus électoral. L'objet de l'équipe de FCC, Peba Sanganaki, Bango Balobi, Keba Chiffre, Nyon Soanezali. Lokuta bango bazali kozela bleu lokola bande comme sur opposition ba revoir makambo. Est-ce que opposition est en apposa ya dialogue ou d'apposa ya glissement? Est-ce que opposition est en apposa ba toke une élection te to pendenge ndeko mona mbuka madame Stéphanie aux en de consent pour la république ba revendication abino? Est-ce que natan o eza clair? Est-ce que ezali opportun? Est-ce que koko kisama ce qui photo que na le 20 décembre soit ndeti ndeko lobito vanda to réforme. Ce qui volonté zali est possible pour qui ça. Biso soyo tozo tozo senga ba préalable on a c'est pour garantir la crédibilité à ba élection. Pour élection c'est la crédible, il faut que ba composante nuance soit la représenter na kata biwa CENI. Et puis même la cour constitutionnelle maman nanga. Et cause la ndenge nini tozo sala élection ngana yende batou, il faut nini tozo tozo na course. Entre-temps yo zawana peut-être aux ande konaye. Yonde mutoko ko na banini yonde mutoko konté ba voix. Est-ce que otika ndeko na yo otika eta ndeko? Dans quel sens vous parlez? Non non, ça veut dire que même espace linguistique on attribue mon corps, vous parlez ndeko na ba affinité ou bien peut-être na reformulé ye mutatie wana na position yo zali après ce que lobby ba élection to sali ba élection sikoyo lokola yonde mutoko konté ba voix. Ataye à zuité. Le fait que y ait une mutation au Wana. Est-ce que Otika ya quoi? Vous parlez de qui exactement? Denis Kadima. Denis Kadima. Oui. La confession religieuse. C'est un membre de l'IDPS. Azam membre de l'IDPS. Et frère à M. Tshilombo. Azam Ndeko, il y a président de la République. Vous avez de preuves? Oui. Comment? Bah, président de la partie politique. Vous avez une carte. Pardon? Vous avez une carte. Pas nécessairement, madame. Pas nécessairement. On sait ce qui se passe là-bas. Et c'est la raison pour laquelle, en bref, hein, ton lobby, t'es prêt pour la élection. Mais la élection, nini, ton lobby, l'élection, elle est crédible. Pour l'élection, elle est crédible, il faut que nous soyons composantes dans la biso. Ce qui est le fait, il fallait que nous soyons représentants. Auto lobby bien. Ba débauché, non, 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 non. Ba débauché, il faut que tout oyo président national a commis que non, non, il y a un ngai na recommandé. Ton lobby, ba débauché. La Cour constitutionnelle, la même chose. Tolingi l'élection n'a délai, même pas une seconde, il y a retard. On a besoin des élections, mais pour garantir crédibilité, nango, raison pour laquelle tous ceux qui va préalable, on a merci. Ceux qui va préalable, la bino est prise en quantité d'ici le 20 décembre. Qu'est-ce qui va se passer pour Québec élection? On a toqué na plan B. S'il vous plaît, pour Québec élection. Elle est avec moi. Toqué na plan B. Nous nous toquons mieux en attend. Tous ça nous place au bisou tous ça. Pour les restes, vous voyez banaka. Et ça n'est l'obby au habité moins n'est ni obime. L'obby au habité n'est ni moins obime. Ça là toujours va plan là. Eh, y a moins n'est na lobby. On n'est pas pressé. Il y a un peu sabino en bacarte na bisonyon. Non, on n'est pas pressé. Mais sinon, biso de lobby de toza wana. Bacha volonté, bar revoir cour constitutionnel, bar revoir bureau à CENI. Merci beaucoup. Ndeko, bienvenue, Kaboula. Aux Ndeko, il y a. Asbel, je peux dire que nous avons une société civile, ni de l'opposition, ni de la majorité. Comment est-ce que Bino, jeune intellectuel, vous avez jugé le processus électoral en cours? Merci beaucoup. Nani n'a porté correction mon corps. Tant que vous avez maman à Mapinga, il y a une structure de oui, quand même, il y a des Christella qui est en. Ils sont aux alliés l'éveil des consciences des enfants des militaires et policiers pour l'émergence du Congo. Merci Mingina Motuna Nayo. Et puis Kombo Izali Kiboula. Lukokisa Kiboula. Ok. Et non Kaboula. Dernièrement, Bisoba Basoda Touba Kielo Komoko. Masakana Kana héritage. Yamwana Mutute. Tango ba yi politique bazali komi bendana. De part et d'autre, Bisonde Tofutaka prix. Le prix c'est dans nos familles. Les familles les plus meurtrières à cause de la guerre politique. Tant que nous avons un peu de temps, nous avons un peu de temps, nous avons un peu de temps, nous avons un peu de temps. Le pouvoir, c'est l'armée.
Le pouvoir, c'est la sécurité. Il va falloir assez que ces hommes-là, nos parents. En 2011, on a plairé 11 policiers ici, tués par le membre de l'UDPS. Les familles sont là, les orphelins sont là. Donc au Mata, en 2006, c'était la même chose. Na point chaud. Papa moko policier parce que bah il politique moko na boy kota na kombo. Bazaka kolika ba kota na société ba boma un policier. Qu'en est-il de l'avenir de ses enfants? Qui de ces politiques a zonga lilo pour aya ala a consoler famille wana to a sunga ba. Mais par contre banana yo bazana nzela, bobé ba enfant de la rue. Yango to lo barake biso. Nous sommes la société civile. Parce que ma papa na biso balobaka oyo abali mama yende papa biso bana to accompagnera baboti na biso. Alors cette fois-ci toza ko accompagner bango na makanisi pe na baction. Nous voulons être certes du bon côté de l'histoire parce que lobby to lobby ekoleka ikuzade bana ya basoda ba vrai héritier ya Congo. Toza na posa consensus ndenge bande ko balobi. Mais consensus, il y a un gros qui est en 2006. Tant que ça a une composition assez CIA à l'époque. Ça posait problème. Un côté, il faut qu'on rappelle l'histoire. Toujours quand il y a MLC, lorsqu'il a fallu la publication à résultat. En 2011, il y a un gros qui est en 2006. Ça aussi, c'est un problème. Ça veut dire que. À un certain moment, nous comprenons que les politiciens, bazali batoyo, bazala bonne foi pour que yokana pe basali loko na ndenge elongo bani na bopeto. Le rôle des grandes nations, c'est de servir et non de dominer. Le Congo nous appartient à nous tous. C'est un patrimoine matériel collectif. Ça ne doit pas être le Congo de ceux qui dirigent et le Congo de ceux qui sont colonisé. Non, le chef de l'État, avant Atsuki Sanani, il y a FCCK, Chalobelo Komoko, il n'y a pas la République des démons et la République des saints. Nous sommes tous humains. Alors, Bandekoso et Bazala posa à consensus parce que Bissopé, cette fois-ci, Banabasoda, Toza, acteur, on sera plus spectateur, Tozo Talabango. Toza qu'observer au moment opportun. Ont-ils raison? Ont-ils tort? Non, ils ont raison. La République nous appartient tous. Les textes sont promulgués, votés au nom de la population et non au nom des individus, des groupes d'individus. Non. Ça veut dire que dans ces lois qui sont promulguées, qui sont votées, et sont votées parce que les représentants. Mais puisque les agents en cours, comment est-ce qu'il faut qu'on catapé. En cours, certes. Mais de quelle manière? De quoi outil que le belo comoko? En tout cas, tout ça la tout raisonné, tout ça la sentimenté. De quoi outil que le belo comoko? Le basculement de la majorité à plein mandature. Il y a un moment où on va le dire qu'il y a débauchage. Bazan a posé un bateau, bazan a débauché, bazan a posé un bateau, bazan a recommandé. Et à ce moment-là, on va la recommander ceux qui, baby, si, là, ils vont rendre compte à leurs autorités morales. Tout à fait. De l'autre côté, tout ça, c'est bon. Tout le monde a crédibilisé ma cambounion. Maman, outil, koloba, ceux qui ont gagné, tout ça, la affinité. Au moment opportun, tu es en même temps juge, en même temps parti. On ne peut pas être juge et en même temps parti. Ça veut dire quoi? Bayoukana. Biso, pour ça, na biso, ezali, bayoukana. On est d'accord que le processus est mal à monter. Bon, les éléments à leur possession, oh bah, la kissibissona plateau, ils ont la kissa à suffisance. Maman a lobby et l'okoum, c'est à suffisance. Mais tant que lobby qui est batomi, balé, bazolo, balangage, ça veut dire qu'il y a eu un problème quelque part. Auditons l'histoire. Lorsqu'on va auditer l'histoire, on va découvrir là où on a biaisé dans le processus et comment faire pour que le processus devienne plus crédible. Sans pourtant stopper, sans pourtant retarder. Non, on avance. On avance. Les élections 2023. OK. Mais chemin faisant,
on recadre l'histoire. On recadre les choses. Merci beaucoup. Ndeko Brahim Mouya Kalala, ndeko yon sacré, ndeko seder. Bandeko ya opposition bazo le bakema, mais autant bien dit apparemment du côté yon sacré, bon ça la sourde oreille. Tout soit avancé bongo. Est-ce que les a danger que quelque part ko kina ma polomé. Oh déjà en avance, les a boycotté tout pays, enfin, pas boycotté mais en tout moment critiqué. Merci beaucoup madame Naomi. La ligne qui a rectifié mon qui c'est pas Brahel, c'est Brahel. Donc le nom c'est Brahel. Na landi bande konanga ya opposition na makambu nyoso bauti koloba. Mais sauf que je senti les manque ya ba élément au bazana yango, na manque ya maîtrise ya makambu etali moka. Na sentir kaka baye ko koboya biloko en bloc sans pour autant proposer les éléments où ils ont testé qu'on n'aura pas les élections. Où ils ont la kisake, l'Union sacrée n'a pas à mesure d'organiser les élections dans les délais. Bango, ils ont intéressé, bango, ils ont plus ba marche. Parce qu'ils savent que baza préparé te pour naba élection. Ils savent que baza na projet de société à malamo te pepa pour adopter bango. C'est ça le problème. Et c'est comme ça que vous allez voir que bah, il y a un concept à Chilombo, Tolingi, consensus. Déjà, comment on a Lubumbashi. Ça prouve qu'ils ne veulent pas les élections, ces gens ici. Biloko va proposer avec les délais. Ils ont peur d'aller aux élections. Pourquoi ils ont na bobangi? To comme non élection, au moment où il fallait se concentrer, va s'organiser sur le plan interne, va la loi va projeter société à malam au peuple pour nous couper ça va s'organiser et ne veulent pas ça parce que chez mana bango ezali que après ba élection bazong la musala na bango ya ko créer ba marche et tout concerne et déjà voir ce que ozo la kisana seni on trouve que ba élection et kozala bel et bien touti na mambu ya ba enrôlement madame Naomi. Tout s'enrôler. Après enrôlement, ils ont la canaba et les mots, ils ont peu technique. C'est le REF. Ils ont la qui s'accommode nini. Tokoloka, kosala ba compilation pour que ba nettoyer fichier électoral. Qui s'ensuit dans l'opération au babengaka edika le dit. Comment on appelle ça dans la CNI? Babenga aussi le edika. Et judication en fait. Eux qui permettent que ballon la bas doublon. On comprend? Tout ce qu'on c'est qu'on appelle la loi sur la répartition de sièges. Déjà, bah, les manions sont ils ont prouvé que l'élection est causée et pris la CENI travail. Vu que Bango Bazana schéma, il y a qu'on un dialogue. Oh, puis c'est limité. Bazana schéma ya koluka biso bayi union sacrée bon année yo kato solo la temo il faut ça la cause à la discipliner c'est comme ça que vous allez gérer le pays s'il vous plaît mon amour vous voyez ils étaient bazo soulever ba point quelque part bazo mon ande tricherie zo bongisa ma parce que ba kit électoral monsieur c'est écoute ali na maboko ba tout ba enrôlement monsieur ça mais madame Naomi c'est vrai que leur problème il faut ba travailler sur le plan interne ba s'organiser sur le plan interne. Baluka comment dengenini ba ko préparer ba élection na bango. Déjà avec la CENI ou azo sala la minute, ça prouve qu'il y aura les élections. N'expliquez ah ba biloko ça la que tout monde biloko les élections démocratiques. Seul consensus sur bango balingi o ezali bangi to sala tour ya CENI et kozala à normalité o to benga ki bango à l'époque, ils ont refusé. Madame Aouti Koloba qui a dit Mazaline ya pouvoir en place et tout. Mais c'est faux. Ndekadima, il a compéti pour qu'il y ait comme place soana. Vous voyez, et ça juste schéma moko bazo lukaba kende nango oh, ça prouve que bazo kokako kena ba élection té. Biso trobi troké na ba distraction au bango bazana yango té. Parce que bazana programme té. Ça je vous l'ai dit. Et vous allez même constater, na oba sali wana, ce qu'on appelle, si c'est bloc patriotique, vous sentez, ils allient ce qu'on appelle, ils allient plus
regroupement moko ya contre nature eux qui copesa bango même pas projet de société à malamo. Et vous allez constater, on est, il y a des sociodémocrates et puis les fédéralistes. Ça pose des problèmes en termes, il y a programme, il y a gestion. Ça pose déjà, ça pose déjà. Non, non, ça pose. Écoutez. La lobby boye. Non, non. Quand lobby la mangambouya seni, il fallait pas proposer. Oh, tout bas au monde des schémas requins de la glissement. Parce que bon, on est balingue glissement. Tout ce qu'ils ont proposé dans le Lubumbashi, c'est un glissement. Ça paraît anodin. Dans 7 mois d'élection, vous venez proposer déjà des histoires. Mais le peuple a compris que bah, il y a une élection. Il y a dialogue. Bon, quel dialogue est-ce? Pourquoi? Madame Normie, vous savez que le dialogue politique ici en RDC, ça fragilise le système démocratique de notre pays. Chutez-moi. Est-ce que vous comprenez? Il y a un peu de chitère au Bisso, na parti à moi, à Jean-Lucien Boussa, Tozo s'est préparé pour les élections. L'objectif Nabiso Ezali que tous à la majorité dans le Parlement, tous à la deuxième force politique, il y a Union Sacrée, avec plus de 100 députés. C'est ça l'objectif, papa. Et moi, je pensais que ceux qui m'attendent, ils ont une question, il y a une élection. Il y a une élection, tous ont travaillé. Tu vois que l'élection est intéressée par moi. Ils ont intéressé plus Ezali, ils marchent, Ezali dialogue parce que. Bah dit que le dialogue est au cas en abattant tout financier. C'est qui n'est pas interdit. C'est qui la constitution, la marche. Oui, la marche est constitutionnelle. Non, non. Est-ce que moi je interdis la marche? Je n'ai pas interdit la marche. Je dis c'est l'air chez moi. Vous voyez, parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas un projet, il y a malamou. Parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas prêts pour les élections. Leur chemise aligne à pour distraire au peuple. Bazaba M23, côté la banque, vous allez voir, non, écoutez, parce que ce sont des personnes, écoutez, ce sont des personnes, non, ce sont des personnes, oh yo yo, bazana schéma, il y a diabolisation, bazana schéma, oh yo, balingiba kanga mboka en otage. Vous voyez, Bisoto Kolanda Bangote, nous l'objectif c'est vers les élections. Très bien, merci beaucoup. Président Yasseni Didier Manara a rappelé en gros, Batiki serveur central, les abats, partie prenante, ils sont tous. C'est là où on va discuter, ceux qui vont avoir la tricherie. Ils ont été Libanda, Baya, va consulter, ils ont appelé toutes les parties prenantes. Baya. Bah, visiter fichier électoral très et bien. Que permettre que qu'on se suce au bazo luka et là autour de la CENI ensemble na bureau à CENI bah vérifier na serveur central. Merci beaucoup mon amboka Xavier toujours n'ira yo. Moi je regrette, vous les recevez parce qu'ils payent aussi pour passer ici ou bien vous les recevez parce qu'ils ont à dire sur votre plateau s'il vous plaît. Non, nous avons organisé débat, ça énerve s'il vous plaît. Mon amboka n'a posé question, je vous écoute répondre. Avec la sortie officielle de l'Union Sacrée au Ezabon le 29 avril, plus de 500 partis politiques autour du chef de l'État, pensez-vous que Bino Baïa opposition au Bozo qu'on n'a même pas remis sa candidature morco pour la élection avec 500 partis politiques derrière les chefs d'État beaucoup coca pour remporter l'élection? Madame, je vais vite vous répondre pour vous dire que sortie officielle et Union Sacrée, ça prouve combien de fois Batu Oyo va échouer. En quoi? Comment? Va échouer dans la gestion de Bango. Bango Nyonso en bloc. Et je vous dis que aujourd'hui, le Congo n'a plus besoin des noms. Le Congo n'a plus besoin des noms. Oyo, yé a va faire entourer yé wana. Toi, n'a pas ça dans côté. Le Congo aujourd'hui a besoin des jeunes qui ont de l'énergie, qui sait agir, qui sait parler, qui peut accompagner leurs leaders pour qu'on change cette classe politique. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est M. Tshilombo. Kabila s'est noyé déjà avec tous ces dinosaures-là. Lui, il est temps la main. Na souka na dernier virage. Batouana balinga y bazalande tous à l'éloti. Et nazo yebi sa peuple congolais danger ou bazo courir derrière Union Sacrée. Avec forcing ou monsieur Tshilombo bazo kenenango. Une fois qu'il passe avec Kasik na ya Union Sacrée, ce pays sera sombré. D'une façon, oh yo, nan, tout ce qu'on a passé à bon moment. Donc, on se reconnaît qu'on a un deuxième mandat. À cause c'est possible. À cause de quoi, comment? Avec Kadima, avec Kournaye, avec Tetite Sobazo Kenango, là, ceux qui bisont, se laisser faire, toi accompagner et bongo. À ce deuxième mandat, parce que vous chantez déjà victoire.
Ah, parce que Bazo s'est préparé. Bazo s'est préparé. Personne ne se prépare là-bas. Personne ne se prépare là-bas. N'a pas tenu ma propos moi ma cassité. Bazo préparé même pas. Bazo comptait la tricherie. Merci. Bazo a compté la tricherie point bas. Parce que n'est-ce pas Bazo? Chilombo lui-même, dans 5 mandats, il y a 5 ans, combien de fois il a fait des meilleurs coups devant le peuple? Il a fait 2 ans, ça n'a pas marché, j'étais bloqué, et cette fois-ci, qui salue banda. Depuis qu'il y a qui salue banda, vous avez vu, Misa les autres salés mawapi. Nulle part. Il a fait 2 ans avec l'Union Sacrée, Babato, Bauta, na FCC, Oya Boya, Banda, ou bloqué, Azui Bango, Basanganina Bango, Asali Bande, Bouchage de gauche à droite, Asanganina Bango, Bazana, vous travaillez. Rien ne marche toujours. Mais je vous dis ceci. Vous savez pourquoi va créer Foner na OVD? Il va créer un opponent. Kabila n'était plus en mesure de servir tout le monde qui l'entourait. Faut créer ma poste, misala mon bas de doubler à triper pour que à caser Batounaye. Kabila n'avait pas plus de 500 partis politiques qu'on venait de citer ici. Aujourd'hui, on a combien de postes ministériels dans notre pays? 60 combien? 65, c'est pas 65, je m'abuse, je ne sais pas. C'est plus de 60 postes ministériels. Il a plus de 500 partis politiques. Tous ces leaders-là auront besoin d'être ministres. Si pas ministre et mandataire public. Au commis place Naza et place à peuple Zawapi. Ces gens-là, personne ne peut accepter ma paix, ça y est, moins à 20 000 dollars. Azate. Eliezer Tamboué Mamba peine va suivre à 21 000 dollars, de 21 à 27 000. Il veut qu'il n'y ait pas des élections. Pour la guerre, c'est lui qui faisait propagande avec Tulombo, la pirogue. Tamboué dans la boîte, Eliezer là où il m'entend, il m'écoute. Tamboué dans la boîte, il n'avait rien. Il gagne plus de 21 000 dollars aujourd'hui avec les élections. Vous blaguez avec les Congolais, monsieur. Hein? Toujours qu'il y a des élections. Et on est prêt pour aller aux élections. Qu'on arrange les choses. Ce pays nous appartient tous. La question c'était démontrer noir sur blanc que le chef de l'État n'aura pas son deuxième mandat parce que structure déjà il y a Union Sacrée Vandi. Plus de structure il y a Union Sacrée. Bah leader est belé nasimé un chef de l'État. Toi et comment est-ce que bah élection tambour nasimé nambo cannabiso. Vous pensez que non je parle pas de la tricherie. Je parle de bah leader au bazar naie na bah parti politique ou bah quoi accompagner. C'est-à-dire que chaque leader n'a quoi naie au battre campagne pour le chef de l'État. Bazar crédible. En termes de popularité, en termes de mobilisation sur terrain. Moi, le temps que je fais, je suis maintenant le président fédéral parce que au présenté en titre n'angaté. Je suis le président fédéral de l'ADD Congo Tchamo. C'est moi le piton de la Mouka. Vous comprenez? Ma solo à terrain n'a bien mon toko. Batte belé wana yango na boy kotanga ba kombo que ce n'est plus question de nom. Toi, tu penses que moi, on peut, bako zwangaka boye, zwangaka boye, batia biso, na be leksona bita, kuna wa outi ko adhere dernièrement la Union Sacrée, hein, ba vote biso, il sera élu. Tchanga boye na kamere, ou alie mbongo ya 100 jours, devant le peuple congolais, même ici à Kinshasa, ça va maintenant même na mboka naïe. Il sera choisi. Non, je vous dis, maintenant, tant qu'il commande, il sera choisi, devant moi, Xavier, je vous dis non, même pas devant mon président, Prince Epenga, au télématé. Vous comprenez? Aujourd'hui, il y a un combo, combo à battre. Aux gens, les siens, vous, ça rien. Et l'autre côté, ce qui est nécessaire aujourd'hui, total en face. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, on a les boules au yo. Très bien. Merci. Dans un système qui est là, on a le lobby. À lobby, soit on a maîtrise, il y a un beau côté, soit il y a un macambo. Mais il n'a rien dit. Il y a dans un maîtrise, à lobby et l'autre côté. Je n'ai rien entendu de lui et l'autre lobby. Ce qui est nécessaire aujourd'hui, il faut comprendre que, bazana ligné au yoga, que non, bakoyo kamoutoute. Toko solo la te, azolo ba tan ezate, il y a à 7 mois des élections. Depuis quand qu'on a commencé à crier qu'il y ait consensus? Bazo boucher ma toi na bango, ba tie boreyette, ba yo kabisote. Attention, vous faites erreur. Parce que, et la mystique, vous ne saurez plus gérer ces pays. Ça, je vous l'ai dit. Et en plus de ça, kaka awa ya azolo ba renon, manque ya maîtrise ya mboka. Soto maîtrise mboka, te mboka ni. Congo? Oh, Botiki n'a pas M23 et tu nous appelles le M23. Qui avait invité le M23 ici à Kin? N'est-ce pas? Très bien. Merci beaucoup, mon ambo Kazavier. Si vous passez ici, pas personne, s'il vous plaît. Qui nous attaque? Qui nous appelle le M23? Non. Si vous venez ici,
Mais qu'est-ce qui va se passer en 2023 à l'issue de l'élection? Merci maman pour la montagne. Nous avons un peu recadré Ndeko. Ndeko a vu ce Braille. Nous avons un peu l'Union sacrée est comparable à l'orchestre. Nous parti, soi-disant, un parti politique. Nous avons un talent. Nous avons un bêta monde. Aujourd'hui, il y a un programme T, un projet T. Et bon, il y a bien aussi pour réaliser ça. Est-ce que la population ne mange pas? Guerre, ils ont silencié la cité. Dollars, ils ont attaqué chaque jour. Mais bon, il y a un projet T. Par contre, il y a un bloc à opposition, il y a un programme auto-réalisé. Parce qu'on juge quelqu'un sur base, il y a une réalisation. Nous, on a réalisé. Ce n'est plus à quoi ce n'est plus caché. Moïse Katumbi a bien beaucoup de Google. Matata a bien beaucoup de Google. En vol, président Sessang, Deli Sessang, Azana Nina, Azana Bilan, président élu Martin Fayulu, Azana Bilan. Très crédible en plus. Et puis des deux, orchestre en haut, Tarata, Azo Yimba, Azana crédibilité. Kolobake Bisso, Tozo préparé des glissements et tout. Non, par contre. Je réitère, on a le bac, nous on veut les élections. Mais lesquelles élections? Crédibilité à l'élection et que vous parmi les préalables, oh, ceux qui vont résoudre les préalables. Nous avons une élection. À l'objet que on dirait que quatre balades pas qu'il n'aille battu nous on se base sur la carte T. Oh bah zolo bah il faut baser la sincère. 90% population qui carte c'est faux et archifié. Là j'ai rejoint bande qu'on a vu sur FCC parce qu'ils sont nos compatriotes congolais. Na sans soi na. Bah qu'aussi 90% bah congolais et suit bah carte d'électeur T. Bah quitte électoraux. Quand on est na bande zolo bah déjà ceux qui quittent électoraux ils ont déjà na carte à bande qui y a membre y a nini y a soi disant union sacrée. Et l'union va venir. Il y a une crédibilité, un apport politique, mon côté. D'où, dans la préparation, il y a tricher par élection. C'est la raison pour laquelle tu as posé préalable, un apport, ceux qui peuvent être représentants, ils ont besoin et éviter le coin élec. Beaucoup de choses ont été achetées. Beaucoup de choses n'ont jamais été achetées, un héritage commun. Oyo y a un ticket, Vu de l'autre côté de l'opposition, vous proposez peuple nini parce que nous avons sur le lobby, Gratuité et comme oh bazo payer banil ba fonctionnaire té tant bazo futa ba fonctionnaire té mutum soit union sacrée na nini na top congo oh ce tozo futa ba fonctionnaire sous te ba 5 mois et payer consort et à cause à gratuité finalement et demain sikoyo 15 millions déjà selon ba source concordante et zo ba ke ba bimisi 15 millions de dollars pour nous organiser messe noire na bangwe à le 29 na stade des martyrs. Entre temps, les peuples n'arrivent pas à se nourrir, les militaires n'arrivent pas à mettre fin à la guerre, entre temps, la CENI n'arrive pas à s'organiser pour les élections. Et entre temps, vu une abus de sa saleté pour ne citer que cela. Mais Bissot, Matata Ponyo, il dirigeait avec un programme précis. Moïse Katumbi a dirigé avec un programme précis.
notre président élu, il a ses programmes précis parce que d'abord, il est manager. Il a été bandit politique, il a été politicien. Non. Tous sont d'abord des managers. Mais pourquoi on ne peut pas se mettre ensemble, choisir quelqu'un encore représenté? Mais le moment viendra. S'il vous plaît. Tous a pressé à Nani. Et puis, choix. Il y a Nini, il y a représentant de Bissot Comé. Ils ont dérangé par mon ami. Tous a pressé. Il y a toujours des préalables. Mais ce solo là, c'est entre eux. Ils ont un niveau de Bissoté. Nous, on va nous donner l'information sur base à des gens qui ont besoin. Et puis, nous avons besoin de l'Obi, parce que tu as vu que salut à ma peuple. Très bien. Merci beaucoup, mon Mboka. Tous un grand déco. Bienvenue, Kiboula. Mon Mboka. Oui. Nous avons une union sacrée sortie officielle. Les Obongama. Nous avons une opposition. Nous avons le 13 mai. Nous avons une balabala. Nous avons une balabala. Nous avons une revendication. Nous avons une union sacrée. Il faut être du bon côté de l'histoire. Le peuple dans tout ça. Merci. Que gagne le peuple. Merci beaucoup, maman. Dans la ma intervention à Bandeko, je connais la moire et cadrage mouquet. Neko Brel, projet de société, Yabaninga, vous prissez Bangote parce que au moment opportun, ils vont le présenter. Ce n'est pas encore la phase pré-campagne ou pendant la campagne qu'il faut exhiber tout. Soyons respectueux des textes. On ne peut pas prétendre que X n'aurait pas ou n'essaierait pas à mesure de concevoir le projet de société, étant donné que ce sont des partis politiques où ils ont constitué, ils ont l'idéal. Et sur base de leur idéal, ils vont faire un vivre ensemble. Sur base de ces vivre ensemble, ils vont présenter à ses électeurs le projet. Tout à fait. La marche est constitutionnelle, on ne peut pas leur priver la marche. Merci. Donc, soyons modérés. Les rôles des grandes nations, c'est des servir et non de dominer les mondes. Évitons de dominer. Les amis de l'opposition réclament les consensus, pas autour des fichiers électoraux, mais autour des animateurs. Tout à fait. La Cour constitutionnelle, le choix des animateurs a posé problème. La CENI, le choix a posé problème. Alors, Kolandisa Mana Babilo Kouana, Bango va évoquer calendrier et ma revendication d'abord. Rentrons en 2006, pour organiser les élections, nous étions prêts à 11 mois. En 2011, c'était à 7 ou 6 mois, si je ne m'abuse pas. En 2018, d'ailleurs, c'était à moins de 5 mois que nous étions prêts pour les élections. Mais aujourd'hui, la loi sur la répartition des sièges au niveau de l'Assemblée pose un problème. Ce n'est pas encore à l'ordre du jour discuté. Donc, autour de ces éléments-là, qui trompe qui? Pour dans le lobby, on peut encore rappeler, madame, Bissot aux Ali Baye, Baza ba hérité à Congo. Batata la Bissot, Bakoufa, Batike la Bissot, Congo Oyo. Alors, on ne peut pas accepter totalement que non, les gens commencent à blaguer avec le Congo de nos parents. Aujourd'hui, d'autres sont blessés de guerre. Bima au Roman à Bango, Bazo Senga, 100 francs dans Zela. Ceux qui déjà y est, blessé, bananaï, va vivre en déni, ceux qui a aussi 100 francs. Donc, il faut que nous soyons sérieux à un certain moment. Ndeko Nangaï, il y a Lamouka. Xavier, oui. Xavier, j'aime vos analyses, mais j'aime votre intelligence. Mais seulement, il faut qu'on évite qu'on ait débat et attaque sur les individus. Je vais parler de Vital Kamerhe. Vital Kamerhe est un grand président d'un parti politique. Il est l'icône dans ces pays. Il fut le président de l'Assemblée nationale, le directeur du cabinet du chef de l'État. Il a travaillé avec. Alors il faut respecter les gars qui ont vécu. Donc tout ça là va débat entre Bissobo et Tozo Bundana Bango, Totangi Bango dans l'histoire. Ça veut dire que au-delà de tout ce qu'on peut réclamer ou reprocher à ces derniers, photos en moi, tout comme. Je ne voudrais pas que, ou tu n'accepterais pas que Neko Brahen a attaqué le président Martin Fayoulou. Nous, la jeunesse élite, nous devons baser la réflexion sur les idées et non sur les individus. Et que ça a mis au bien-té. Naé Pona Motuna. Sorti, il y a une union sacrée. Toloba qui a une émission et l'équipe, Nande Konanga, c'était d'homme loco. Union sacrée pour nous. C'est le renouvellement de la classe politique. Et le renouvellement de la classe politique, Toloba Kiango, Jorwana Formi Nabisso, pour avoir 8
les présents font 4 plus 4. Mais ce n'est pas la seule possibilité. C'est l'arithmétique politique. Ça veut dire 6 plus 2, ça fera aussi 8. 5 plus 3, ça fera encore 8. 7 plus 1, ça fera encore 8. Ça veut dire que les 500 partis aujourd'hui constitués, ce tobito ça là, répartition, éclatement en haut sur les gains politiques à bénéficier, nous allons mourir. Comment réduire les coûts politiques sur les résultats autour des individus, soi-disant les caïmans, alors que les paisibles citoyens sont en train de croupir au sol. Aujourd'hui, que dirons-nous des Congolais de Bounagana? Sont-ils Congolais? Étant donné qu'il y a une administration outre que la République. L'EAC est déjà sur place. L'EAC, madame. Madame, les lois, les traités internationaux signés ou conclus ont la portée juridique plus prépondérante que la constitution des pays. Comment sortir aujourd'hui? Et la seule possibilité, c'est le droit communautaire. Mais pour avoir le droit communautaire, pour nous retirer, ça prend du temps, madame. Ça, c'est toute une... Ça, c'est une pédagogie. Donc, tous à la baie, bazota la lobby. Le peuple qui nous regarde deux fois, babaya biso. Pour la nini, tous à l'île, le seul pays au monde où nous vivons d'une manière événementielle et non programmée. Merci. Totika, bah, événementiel. À quoi aurait servi aujourd'hui? Nous soutenons le chef de l'État. Pourquoi? C'est constitutionnel. Il est le commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise. Mais à notre cher papa, nous devons lui proposer aussi des idées qui soient beaucoup plus efficaces qu'efficientes. Dans la théorie de l'efficience et de l'efficacité, il y a choix à établir. L'efficience là, aujourd'hui, les hommes m'ont dit ça, mais efficacement, les schémas est là. 4 plus 4, 8, d'accord, mais 7 plus 1, ça fera aussi 8. Tout à fait. Ça veut dire dans le 7 plus 1, il y a le secteur de la vie nationale, à manger, résolvant à manger, la sécurité, l'éducation, santé, le route, les soins de santé. Nous accueillons l'hôpital de Kantchatch. C'est une première. Ce sont des résultats que nous, tous les autres, là. Et ça, on était bah, plein à stade. Wenge Beta plein. Falia Beta plein. Aujourd'hui, le monde qui nous regarde, un pays agressé, un pays sous occupation d'une armée étrangère, les animateurs des institutions au stade des martyrs. Mais même les gens qui nous regardent, ils disent que nous ne sommes pas sérieux. Est-ce que c'est le moment de festoyer? Pendant que tous les jours, les militaires, nos parents, mères. Non, ce n'est pas un discours de victimisation, mais c'est une réalité. Tout à fait. Nous connaissons autant à Rwanda, Rwanda, d'accord. Mais ils sont sérieux à un certain moment. Nous aussi, apprenons à être sérieux avant de les accuser. Non, s'il y a la guerre, tu pour nous-mêmes. Parce qu'il y a la guerre. Moi, pour moi. S'il faut même que nous n'ayons pas les élections pour la cause de faire la guerre, nous sommes partants. Simplement pour rétablir d'abord notre Congo dans ses droits. 8 millions de morts, ce n'est pas peu. C'est un peuple. Le Rwanda, d'ailleurs, ne compte pas cette population. Nous devons venger. Nous devons rétablir nos morts dans leurs droits. Totikaba sentiment. Donc pour vous, activité de gauche à droite, c'est ça distraction. Ça sert à rien, c'est de pires distractions politiciennes. Très bien. Merci beaucoup, madame Boka. Ndeko Mouya Kadala, Union Sacrée, Bazar s'est préparé pour plus de 500 partis politiques. Mobilisation, et ça, c'est ma partout. Bande opposition, Bazar a acquis, donc, Zambon, on a dit, Benga, l'État, Oeza, n'a pas prouvé. Kasi Bozo, Kanisa, que Boksa, Gani, Signon, Sorana, Obozo, Sala, et comme ma chef de l'État, soit deuxième mandat, et tout le monde qui FCC à l'époque, mais Ramazan Shadari a répété une élection. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui vous rassure? Merci beaucoup, madame Naomi. Nalingi un peu, n'a un peu qu'on nettoie. Babilo que l'Obama a plateau pour éclaircir le peuple congolais. Et c'est important, tu vois, quand tu as un débat,
politique, d'abord, il faut faire un débat moko pédagogique pour nous aider la population à l'andabiso. Et non, tu auras spéculé pour nous avoir intérêt moko politicien ou politicien. Donc, avant d'aborder le problème, il y a l'Union sacrée, n'aligner un peu na na mekako kubakisela ndeko nanga comment encore les noms. Bienvenue il vient de dire ici que nos en droit international, les traités internationaux ont plus de pondération que les lois internes. Oui. Mais je dis c'est faux. Pourquoi je dis ça? Écoutez, laissez-moi, c'est un débat, c'est oui. Un débat scientifique. Oui. Pourquoi je dis ça? Les traités internationaux a plus position, l'appli contraignant que les lois internes. Ce n'est pas dit que les traités internationaux ils a plus pondérant que la loi interne. Pourquoi je dis ça? En droit international, lorsque les États signent un traité, vous comprenez? Il y a un principe qu'on appelle le principe partus servanda. Les partus servanda, ils ont la kisake, volonté, ya kokota, na traité, ils ont la volonté moko individuelle. Vous comprenez? Et ça permet aussi aux États de signer un traité sous réserve. Et lorsque les États signent des traités internationaux, ils ont une analyse qu'on appelle lorsque on constate que les dispositifs ou les dispositions du traité international ils ont violé la loi interne, l'État va signer un traité, on peut signer sous réserve. Donc, il y a l'équilibre entre les traités internationaux et la constitution et Mboka. En droit international des traités. Et ça a traité été loi moko ezali plus contraignant que la loi interne. Bien que les États cédaka une partie de la souveraineté. Écoutez, je dois c'est ça? Je suis publiciste. Oui. Je voulais que Batuba va comprendre. Bien que les États cédaka une partie de la souveraineté pour faire fonctionner les organismes internationaux. Parce que l'organisme international a une sous-bassement juridique. Vous comprenez? Ce sont les États qui permettent à Kabango de fonctionner. Et que les États sont plus pondérants. Parce que les États ne peuvent pas exécuter la loi interne. Par rapport à l'intérêt, il y a beaucoup de gens. C'est comme ça que je dis que ceux qui ont intérêt, il y a beaucoup de gens. Ils ont menacé, on peut signer un traité sous réserve. Et c'est comme ça que vous avez vu. Le gouvernement congolais demande à l'EAC tout le réviser l'accord Wana et à l'EAC pour dire que ils ont la rapide plus pondérant. Article 215. Attends, pardon, je dois. Non, non, là, et puis si ma disposition pour que le président de la République il respecte. Écoutez, non, Tanga. Les traités et accords internationaux régulièrement conclus ont leur publication. Dès leur publication, une autorité supérieure à celle de loi, virgule, sous réserve de chaque traité ou accord et son application. Mais au départ, c'est quoi? Il dit sous réserve. Ça dit, ce n'est pas dit que les traités internationaux ont un caractère plus contraignant que les lois internes. Vous voyez? Donc, il y a l'équilibre. Encore deux minutes. Après, on a abordé la question, il y a sortie officielle, il y a l'Union sacrée. Madame, vous devez savoir, l'Union sacrée, c'est la plateforme électorale. Dans la démocratie, tout très avancé. Dans la période, il y a l'élection, le parti, c'est constitué dans la plateforme électorale, le regroupement pour compétir, pour chercher, il y a besoin de l'élection. Mais le quoi est-ce que la plateforme électorale, c'est plutôt un programme. On peut parler d'une plateforme électorale ou on peut parler d'un programme politique. Vous comprenez? Et c'est comme ça que vous avez vu que l'Union sacrée, tout ça a mis pour un programme, Yakuluka, qu'on propose à mon peuple congolais, ensemble, n'a pas parti prenante, où ils ont constitué membres de l'Union sacrée, n'est tout ça a mis, tout le programme Yamalam, qu'on programme plus adapté, Yakuluka, qu'on propose à mon peuple congolais, où ils ont fait ça là que, tout gagner ma élection, lobby, programme auquel ils ont appliqué. Ba élection ba gagna kayango na sénité. C'est grave.
tant que nazo kabande ko na biso bazolo ba que tozo sentir il y a déjà tricherie dans l'avance à l'avance pour dire que écoutez madame tant que bonde ki koloba nga na fonda ki ki non pas aussi c'est terre quand vous tout ça là élégance tout ça l'élégance je vous comprends mais on parle de la préparation de la tricherie pas de la tricherie s'il vous plaît. Préparation pour ça là, lorsque vous préparez malamou, votre programme n'est bien au malamou, bobongi. Parce que dans de grandes démocraties, peuple a voté car sur base il y a programme et pris un parti politique. Ça déjà. Et vous allez voir que l'Union sacrée est crédible. Pourquoi? Et vous allez constater la plupart de partis constituent l'Union sacrée sont des partis sociaux-démocrates et puis des libéralistes. Ça c'est déjà un problème pour les malamou. Et vous allez voir que qu'on travaille plus pour l'intérêt de la population. Ça déjà, bon, sur le plan des partis, partout où ils ont constitué membres de l'Union sacrée, ce sont des partis crédibles aujourd'hui. Et puis, tu as un programme, mon côté, tu as dégagé, comme ça, que tu as proposé chez moi la vie sur base de l'orientation qu'on a proposé, on a peuplé. Mais on n'organise pas les élections sur base de la CENI. On va prendre un petit chéri, ils ont travaillé sur base de la CENI. Renouvellement de la classe politique, madame, et ses résidents sur base à l'individualité. C'est grave quand les gens voient renouvellement de la classe politique sur base des individus. Non, non. Renouvellement de la classe politique, ça doit se baser sur le plan idéologique ou vision. Pour que Mboka ait que c'est là que moi je me dis. Donc, l'Union sacrée, même vision à Sika. Vision à Sika. Et ça, je vous l'ai dit. Les alliés, vision à Sika. Vision à Sika. C'est comme ça que les alliés. Vision à Sika. Tu vois, nous, le problème, ce n'est pas le stade que le peuple a à Yoka. Mais on doit être discipliné, hein, messieurs Zagieux. Je suis tellement à Mboka. On peut si Bango va venir te bêler. Non, non. Si tu as juste 5 minutes. Je suis tellement à Mboka. Puissant, Marambouya, l'Union sacrée, les alliés plein et ça la maté parce qu'on sait que ceux qui t'ont ça la plante tu vas nous ça la rabat plein qui tient ça beaucoup de musiciens non ça la plante non non le problème ce n'est pas le plein c'est ça que je voulais revenir le problème ce n'est pas le plein le problème les alliés on veut fixer les Congolais pour un projet à Sika ou Union sacrée azo proposé bango pour la vision à Congo mususu tozo mona pour la lobby c'est ça l'objectif les alliés que non fan du sabbat ou baya plein parce que bafali va ça la bango plein nous sommes pas dans ça vous voyez bisous tout se résumé t'es force et union sacré aux anastadité ça dit plein ou pas bisous en pour ça tout fixer population pour qu'elle comprendre que union sacré a la vision moussous quand je dis vision moussous vous avez des gens comme la pc exemple il y a cédeur de Jean-Lucien Moussa et nous sommes préparés. On est prêt pour les élections. Mais vous parlez d'une vision. Nous avons une vision, nous avons un contenu, nous avons déjà ça, élaboré, nous avons cours. C'est ça que je dis. Je dis, les plateformes électorales, nous avons un programme politique. Nous avons en œuvre pour aller aux élections. C'est comme ça que nous sommes en train de faire. Ça dit, l'Union sacrée s'est constituée une force politique pour nous gagner ma élection et à l'autre. Je réforme ma question. Et je vais revenir pour Chico. L'Union sacrée présente quoi au peuple? Voilà. En fait, l'Union sacrée. L'offre politique. Oui, l'offre politique et l'Union sacrée vers le peuple. D'abord, c'est quoi, madame, vous devez retenir? C'est d'abord le valeur. C'est ça l'Union sacrée. Le valeur morale. D'abord, l'Union sacrée, les alliés qui gèrent autrement le Congo. L'Union sacrée symbolise encore. Ça dit l'Union entre le peuple congolais, bien que Bango va prendre la sécession. Pourquoi je dis ça? Que Bango va se préparer pour que Bango ait une élection. Déjà, comme on a plateforme, on a un bloc patriotique de l'opposition, vous sentez qu'il y a des ratés. Pourquoi je dis ça? Vous allez voir les sociodémocrates et le fédéralisme. Ça pose un problème pour un Congo comme la RDC. Batumoro bas au pouvoir, l'Obi bas à l'État fédéral. Très bien. Écoutez, merci beaucoup. Je vais citer par ici. Pardon, accordez-moi quelques minutes. Je vais citer pour dire que vous êtes en théorie dans le plateau, Madame Normi. Il faut que vous moi discipline. Moro ya malamo. Ndeko Xavier, il a dit son parti ADECO. ADD Congo. ADD Congo. Ezali, parti au Bazali,
la population y a bien peut-être y a bien lelo. Moi je connais les partis chers à Chaloupa. Je connais bien le parti. Donc il y a un terrain peut-être à l'époque on a zaki na habité sur on a pour ça la ligne. Mais nous au moins on était à l'opposition, on savait qu'est-ce qu'il représente. Adeko baza baza bazo représenter le côté na Tchango. Ça je vous l'ai dit. Après ça il est au bureau fédéral na Bangweza. Moi je suis de la Tchango, je suis natif. Il y a Kimbonté que j'ai été candidat en 2018. Il n'est même pas connu à la Tchango. Et pour dire que non non mon parti a déco tozali plus très bien pas d'attaque personnelle parlons république mais je veux plus parler quand il merci dit, beaucoup merci la recadrage qui la recadrage qui la recadrage je pas mais je voulais pas merci beaucoup pour dire que la je connais bien le parti je respecte merci beaucoup merci et il faut rappeler que nous sommes merci beaucoup il faut rappeler que nous sommes en direct des antennes de Congo Buzz Télévision presque à la fin de l'émission. Toujours la dernière prise de parole. Chaque personne a coupé cette somme à Kandisinaï. Na ouetali crise alimentaire. Où les obéta ma province, sans parler de Kinshasa d'ailleurs. Tout le monde qui bande de Kounakasa et Kourela. Masangwe Mati, le réseau Mata bande de Lubumbashi. Récemment, d'ailleurs, gouverneur ya Okatanga à Yakina Kinshasa, au coup d'un chef de l'État. Ou bisika ba sola qui paye. Na ouetali bongo, n'est-ce pas la solution avec un métal crise alimentaire. Bande de opposition, des une fois au pouvoir politique na mino kozani le dernier colon nzala makanisi na mino toza na kati ya bilenge bao bazo kanisa ko kambalobi nini ko sala pona long nzala na boka na biso vous avez 3 minutes et votre monde à la fin nazo question na onde passe en rochité nazo le bonan mon ke mambaseni le frère a dit ici ba élection ba gagner na sénité nous avons tous entendu sortie médiatique ya nanga ça nous fait peur aujourd'hui de faire confiance à la CENI. Mais c'est Kadima nous a dit, nous, COEL, Commission des organisations électorales de la MOCA, qu'effectivement, vous avez raison, on a y enrôlé les mineurs au niveau des Kassai là-bas. Mais fais-moi confiance, je vais nettoyer ces fichiers. Vous comprenez ça? Est-ce qu'avec tout ce que Nanga a fait, nous pouvons lui faire confiance? Quelle est la différence a-t-il entre Nanga et Kadima? Les noms? Ça, c'est pour répondre à mon frère que tout commence à la CENI. Non, c'est faux. Tout commence là-bas. Qui proclame les résultats finaux et avant que ça soit validé à la Cour? Roger. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Hein? Qui proclame les résultats? Qui sélectionne tout? C'est la CENI. Quand Malonda s'est promené avec les sticks et flash disques comme ça, il était de quelle structure? N'est-ce pas de la CENI? Qu'on a tiré par les clés ISB les résultats. Non, il ne faut pas mettre la CENI à côté parce que je sais que vous allez vous servir de lui. C'est pourquoi vous voulez protéger comme ça. Vous avez des machines à voter chez vous, vous avez des cartes des électeurs. Il y a quelques accidents partout, je passe et je ne cesserai de les dire. Boye Babo Kanga été na ba leader na bino bazana machine à voter, ba carte d'électeur, le Congo nous appartient. Tout ça leader to quoi ko sala kuku pemba e debout. Azana ba carte na ndaku, le jour il mettra ça na kata mutu kana ya bimananzela, il n'arrivera pas à la destination. Comme ça s'est fait au niveau des Kassai, Kakasumbalesa, ici à Masamuna. Ah, écoutez, au niveau spirituel. Donc, comme il a mon spiritualité, Koukou Pemba est debout. C'est lui qui va oser, va mourir. Une minute, trente, rapidement. Naligina Lubaboye. Et l'autre question, Tuniwana, c'est nécessaire. Mais nous, aujourd'hui, là, on n'est pas prêt d'étaler notre programme devant Batoua Union Sacrée, au Bazouko ressort, au Bimisabi. Mais ce qui peuple pas appelé sa bille de confiance pour Bimisabi, c'est le ça, la offre à la bille de Zanine. D'ailleurs, dans le 21e siècle, il y a beaucoup de lanzalates. Tous les lanzalates, parce que Mbongo et Mboko, ils ont une poche à battre. Vous voyez, en allant vers chez moi à Bandundu, tous les bétards sont bétards non exploités. Vous comprenez ça? Mbongo, ils ont un individu. Qu'est-ce que la Tanzanie a? Un individu, ils ont un bétard, ils ont une madame industrielle, ils ont un bilanga. Ils ont un moko. Ils ont nourri le Mboko. Mais pourquoi pas l'État, où il y a des gens qui sont organisés dans les gens, et ils ont des gens qui sont développés à des centres qui tirent. Vous comprenez? Même aujourd'hui, quand il y a des gens qui sont en train de se qu'est-ce que nous produisons? Pour vivre, nous attendons des gens qui sont en train de se faire ministre de l'économie. Dans 7 mois, qu'est-ce qu'il va produire? À quoi produire nini pour que nous consommions en aucun. Nous devons être sérieux. Ma kamouya, union sacrée, ou à Outikoloba, awa, madame. Sorti, il y a union sacrée pour Nabiso et un non-événement. Et comme ça, là, il y a l'eau comme mais ce qui est nécessaire, peuple congolais va comprendre,
biso to sengi na bango consensus soki baba zo banga be élection te consensus électoral on peut trouver ça dans deux jours et kokoute pe mbongo loko la sortie officielle ya union sacrée te. Très bien parti na biso eza a de côté ndengo zo loba nous sommes ADD Congo. Moi je suis le président fédéral de l'ADD Congo à Tchango. Si vous voulez me voir le corps natif ya Tchango za moi na Tchango to kosola na yo na ba activité na nga terrain. Merci beaucoup. J'ai une grande matinée politique qui va se passer au niveau de... Merci beaucoup, Ndeko Xavier. Moi, je suis Stéphanie. Toi aussi, comment mettre fin à la situation en Zala? Bino Boza, il y a l'opposition. Bino Bozo, parmi ma revendication, il y a Bino Pesa Likambo en Zala. Tu retiens que si Likambo en Zala, même à venir, parce que si il y a une crise mondiale, il y a des zones comme Bamboka, il y a des zones comme Bamboka. Mais il y a une crise qui prévoit même à venir, à ta crise, il y a une crise qui a besoin d'équilibre, il y a une crise qui a de l'autre et votre mot de la fin, vous avez 3 minutes. Na sepe ma kasi et puis na sepe attend va bien nga mwana mboka parce que eloko ezo réunir biso eza Congo na koloba te que toko pesa nini toko pesa point de vue na biso tang biso to zala na ba institution non non kaka sika sikoyo Félix Tshisekedi jusqu'à la preuve du contrat za président na biso et par conséquent za papa na biso soka ruki koyoka biso. Priorité des priorités, il faut appeler mbongo mingi pour l'agriculture. À part Maramba Bitumba, opé sa priorité. Parce que avec la guerre, guerre est la façon de belé, tout ça la guerre alimentaire, tout ça liate, tout ça koufa. Donc, si tu koufi dans ma sacité, tu koufa dans Nzala. Alors, à part la guerre, oyo essayé de multiplier ma stratégie pour essayer là, pour Maramba Bloga Polia, maman, si tu koufi dans Google, tu renseigner que. Na RDC tozan na ba million na ba million ba hectare ya ba terre arable. Mais pas si ezawana ba lobby ke na ba terre arable na biso nyoso tozan na ngo. Ezaka ka moins de 10% des za eza exploité. Pona nini parce que priorité na biso eza ba palissade. Nga na lobby eh, député déjà zo 21 000 $. Bonjour na palissade bosombeli. Mais ça le bosso te va pèse ba député mito ka ça le mara ba la législative ni ensemble. Ba son ba zo ba. Ba X Trail. Ba zo. Mais maintenant, je suis tout à fait d'accord avec vous mes très chers compatriotes. Maintenant le problème mais zande hauteur ya mol ya ba émolument. Au moins ba zo ba patrol bani bani. Ba émolument na bango za qui plus ou moins raisonnable. Parce que le monument actuel député Nabiso est tellement ébellé que 21 000 $. To sali confiance de sousou na ndeko Vital Kamerhe. To linga dollar ezala stable. Neti na tango ya matata ponya. Matata ponya stabiliza dollar. Qu'est-ce qui se passe? Crise to ebeza mondial mais baluka ko bakisa moi volonté. Na o baluka baza nango. Baluka nani ko bakisa volonté. Très bien. Merci beaucoup mon amboka. Ndeko bienvenue ki kibola. Merci beaucoup na sepeli la fin. Na sepeli mingi ko partager na bandeko. Bilingue au Bazali démontre suffisance que Congo et Zali n'a potentiel ou éliki or diamant na manganèse c'est l'éminence grise au bas démontré au cours de l'émission aujourd'hui pour Nangaï on doit partir sur le décrètement d'un état d'urgence économique avec les objectifs précis. Okay. Premier objectif, on doit faire la cartographie agricole dans ces pays pour scinder la RDC en poules agricoles, poules nord, poules sud, pour est, ouest. Compenser les flux du secteur minier vers les secteurs agricoles. Outiller la DVDA, qui est un service de l'État, avec mission d'ouvrir le voie des terres battues pour permettre qu'il y ait des localisations. Il y a des produits où ils allient au Lonama. Prenons les cas, j'ai suivi le gouverneur du Kassai Central, je crois bien. Il a dit que nous avons deux problèmes. La pluviométrie, c'est-à-dire Mboule Betimingi, Bilokomoyako Lizate. Deuxième problème, il a évoqué, la délocalisation pose problème. Troisième des choses, nous devons redéfinir la cartographie de nos ressources en eau. Cette gestion est très importante.
Parce que l'agriculture va demander qu'il y ait de l'eau. Assez. Suffisance d'eau. Alors, il faut que nous définissions les cadres de nos rivières ainsi que de nos fleuves pour permettre à ce que l'agriculture qui sera conçue dans le pyramide et Zala desservie à suffisance. Et pourquoi ne pas améliorer aussi la desserte en électricité qui va permettre à ce qu'il y ait l'industrialisation. En dernier mot, j'ai dit et j'estime que le plan d'aménagement des 145 territoires doit être révisité. Cette fois-ci, faisons de ce qu'on appelle comment militariser l'agriculture. C'est un livre qui a été évoqué par un professeur, un sénateur dans ces pays que j'ai lu. C'est très important que dans la nouvelle programmation sur l'aménagement du territoire, tout définir la zone à haut risque et qu'on donne à ces zones-là la compétence de l'armée à travers le service national pour que ça devienne des poules agricoles qui permettra à ce que les militaires qui seront cantonnés là aient l'objectif agricole et l'objectif de la défense de l'intégrité du territoire. Très bien, merci beaucoup. J'aime quand on réfléchit nation et pas politique. Bon, je ne suis pas contre les politiciens. Déco, Yacéder, toi ça, Nayo, rapidement, comment vaincre à la fin? 4 ans après, qu'est-ce que vous avez fait dans le domaine ou non? Parce que le long, vous allez comme Maca, si c'est vrai que les crises, il y a les gens mondiales et tout, le big guerre et tout. Mais qu'est-ce qui s'est fait déjà dans le domaine ou non pour la Koulouka, quoi, léger, pas si à Congolais et tout si ça, Nayo? J'aimerais rester plus scientifique. Hein, qui est politique, puis en même temps donner la vision du CDR. Hein, que pense le CDR de Jean-Lucien Moussa pour trouver des solutions adéquates dans les secteurs agricoles? Vous comprenez? Le CDR de Jean-Lucien Moussa pense qu'il faut repenser le système agricole congolais. Vous voyez? Donc il faut repenser cela. Il faut restructurer les secteurs agricoles. Il faut restructurer les secteurs agricoles. Dorénavant, les secteurs agricoles et Salamalesou sautaient de manière un peu traditionnelle. Il faut des manières plus modernisées. C'est ça le secteur industrialiser le domaine agricole. Parce que si on industrialise le domaine agriculture, ça permettra à la RDC d'augmenter le nombre de la production. C'est-à-dire, lorsqu'on augmente le nombre de la production, ça permettra à ce que prix, il y a crise, stabilité, dans le monde de Zalamaka, si et prix, on serait compétitif. C'est-à-dire, on serait mesure de compétir sur le marché mondial ou le marché international entre d'autres États, entre autres la Zambie. Vous voyez, il faut aussi l'État puisse subventionner le secteur agricole. L'État qui cause à la propriétaire Penza Kakate, parce que ce que l'État a sali manqua à quoi expliquer, peuple était que pourquoi n'a sali manqua mon tote qui bien était, moi et tous les athées. C'est comme ça que vous avez vu le schéma Yabukangalonzo et Marcha Kiming était parce que l'État a zala qui n'a pas makasi. Parce que l'État, lorsqu'il travaille en agriculture, l'État fout à rabat impoté, l'État a il faut plus libéraliser ça aussi. Parce que ceux qui battent un sous bazo exploiter le domaine wana et qu'on permettre à l'État ça à nini, à impôt et qu'on permettre à l'État ça à main d'œuvre et qu'on permettre à l'État face à l'organisateur. C'est comme ça que Jean-Lucien Moussa pense aussi comme ça. C'est-à-dire il faut réorganiser, repenser, structurer le secteur pour plus résister. Aujourd'hui, tu as un problème aujourd'hui parce que les États-Unis aujourd'hui sur le marché mondial, il a un monopole, il y a 30-40% il y a Cirella et Soja, des prix 2013. Vous voyez, déjà les problèmes, ils ont posé problème en casse au niveau des États-Unis. Même si la question a été rappelée dans le conseil à Jovent, dans le pays au bas développé à mot, avec le pays des sous-du monde, y compris la RDC. Il faut plus le gouvernement plus intensifier. Système One, ensemble avec la Banque mondiale, ministre de la Finance, ministre de l'Économie et puis ministre de la Finance. Merci beaucoup. Merci beaucoup. N'y en a parce que tant que Batbazo, le Français, population, mon ande, c'est tout ça beaucoup plus théorique. Donc vous voyez, tout le français, et puis scientifique, et puis mais sur place, soyons pragmatiques. Qu'est-ce qui manque? L'État maintenant, ça dit. Une fois ça, là, mais qu'est-ce qui manque? L'État, les loyaux, azo.
azo sala ba effort mais ba effort wa nezali bon, bon, je donne un exemple mais tout ezangi te na Congo hein batamaye le bazé belé mais qu'est-ce qui manque les problèmes que tant que les problèmes d'agriculture est structuré bien que Kanyama Kasese ezo produit c'est insuffisant. D'ailleurs, c'est manuel. On le fait manuellement. Ce qui manque aujourd'hui, c'est la volonté. Non, non, il faut industrialiser. Ici, on réfléchit Congo. On réfléchit parti politique. Il faut industrialiser. Le Congo a déjà des problèmes. Il y a localisation, comme lui dit, les localisations industrielles. C'est-à-dire, il faut plus l'État travailler sur la politique qui a Koloka pour créer une industrie, surtout plus dans le domaine de l'agriculture. Merci bien beaucoup. Bien que tu multiplies en belé, donc c'est la locale. Mais toi, là, on aura à mesure, il y a que ceux qui te sont produits peuvent être 3 tonnes la journée ou le mois. Mais ceux qui te sont dans l'industrie, au lieu de 3 tonnes, tu as dit que ça peut être 10. Merci beaucoup, moi, Lamboka. Le CEDER de Jean-Lucien Bouss a lancé à peine la banane à Congo, Nyon surtout pour la mobilisation, il y a union sacrée. Banabaya et Bélé, Jean-Lucien Boussa, il soutient le président de la République. Jean-Lucien Boussa, Azana Posa, Yako, raflé plus de 110 députés dans l'élection Oyozali Koya. Tozo ça la peur n'a pas parti mon sousou. Très bien. Jean-Lucien Boussa. Merci, merci beaucoup. 30 secondes. Ce qui manque. La localisation ou la réaffectation, il y a budget, il y a Mboka. Budget en capital, investissement. L'investissement prend le pourcentage le plus bas. Le reste, il y a localisation, il y a budget, il y a Mboka. Et ça servit dans le fonctionnement, il y a ma institution. Alors faisons de notre budget national le 20, même les 30% de ces budgets et à la orienter dans le secteur il y a investi. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Communiqué nécrologique, la famille Kubangila, Kupa, Bi, Macha, Madiba et le père Kumangila, cadre et communicateur du parti politique. Une heure de maître Pascal Niemo informe à tous les ressortissants de la province du Grand Bandundu en général et c'est du secteur de Monsango en particulier du décès de leur fille, épouse, tante et cousine et sœur en la personne de Angèle Kubangila, mort survenu le mercredi 19 avril courant à l'hôpital Saint-Joseph dessus d'une courte maladie. Le programme des obsèques se présente comme suite. Vendredi 28 avril, veillée mortuaire dans la salle 9, région de Lemba-Siper, avenue Bakomelo, référence Barwa-Mabi dans la commune de Lemba. Et samedi 29 avril à 10h, l'exposition au recueillement dans la salle de l'hôpital Saint-Joseph de Limité, suivie de l'inhumation au nécropole de l'éternité de la commune d'Entsele. Ces communiqués tient lié de faire part le père Kubangila. Mais nos sincères condoléances n'a pas y a Pona Congo. Merci de Kwaza qui a mis sur le plateau et merci Nabino Bolanda qui mis de partout dans le monde Tokutani Lobila Bandeko Mususu To Linga Congo To Tonga Congo et To Batila Mingi Mingi intégrité territoriale de Congo restera un et indivisible. On se retrouve demain. Au revoir. Merci. Au revoir.